Bonjour à tous, donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler ukulélé. Alors ça fait des mois, voire des années que je vous promets une vidéo à ce sujet. C'est Quentin en fait qui m'a offert ce ukulélé pour Noël 2015, quelque chose comme ça. Ça fait très longtemps que je vous promets une vidéo et l'heure est enfin arrivée pour que je puisse vous en parler un peu plus en détail. Alors je vais vous expliquer comment je m'y suis mise. Mon histoire avec la musique en général, pourquoi je souhaite en jouer, où j'en suis actuellement, c'est pas glorieux, mais si j'attends d'être virtuose, cette vidéo n'arrivera jamais. Donc voilà, c'est un peu une vidéo pour vous donner des pistes si c'est un instrument qui vous tente, si vous avez envie de vous mettre à la musique tout simplement. Voilà, je suis vraiment là pour vous donner un petit peu des pistes dans le domaine. Alors moi j'ai une très grande histoire d'amour avec la musique depuis toute petite. Je viens d'une famille de musiciens, mon papa fait de la trompette, il a son prix de conservatoire. Il fait aussi, donc pour les gens qui connaissent ces instruments, il fait aussi du bugle, du cor anglais, du cornet à piston. Bref, voilà, la musique lui aussi c'est toute sa vie. Ma maman ne fait pas de musique mais elle apprécie beaucoup la musique en tant que telle, mais elle ne sait pas jouer d'un instrument. Mon frère fait de la contrebasse et de la basse, mon père fait aussi du piano, j'ai oublié de vous dire. Et donc moi j'ai commencé à faire de la musique à l'âge de 7 ans, donc poussée quand même plus ou moins par mes parents parce que je me souviens pas avoir émis l'envie de faire de la musique, mais c'est une activité qu'on m'a proposée assez vite quand j'avais 7 ans. Donc j'ai été inscrite au conservatoire de musique de la ville d'Annecy. Donc un conservatoire de musique ça n'est ni plus ni moins qu'une école de musique publique. Et quand vous avez 7 ans on vous propose de, enfin je sais pas si ça se passe toujours comme ça, mais en gros on vous propose de rejoindre une classe d'éveil musical, de solfège, et très rapidement on vous propose de faire votre choix concernant l'instrument que vous souhaitez pratiquer. Donc je me souviens qu'on nous a fait une sorte de présentation en fait avec toute ma classe, donc de tous les instruments qui existent en tout cas qui étaient enseignés dans cette école. Donc c'était sur Annecy et j'ai craqué pour un instrument qui s'appelle le basson. Alors le basson c'est ça, un instrument qui est très peu connu mais qui est présent dans la plupart des orchestres. Hein, si vous vraiment vous penchez sur la constitution d'un orchestre, en tout cas un orchestre, une harmonie ou même un orchestre symphonique, vous aurez toujours un basson. C'est le grand-père dans Pierre et le Loup, si vous connaissez les airs de Pierre et le Loup. Donc concrètement, le basson dans un orchestre et dans Pierre et le Loup, ça donne ça. Donc c'est un instrument qui est très peu connu, mais qui, comme je vous disais, a vraiment une place centrale dans l'orchestre. Donc j'ai commencé à en faire à l'âge de 7 ans. C'est un instrument à vent, donc dans lequel on souffle. Je vous dis ça parce que ça a son importance pour la suite de la vidéo. Et c'est plus ou moins le grand frère du hautbois qui est cet instrument-là. Donc le basson, c'est la même structure que le hautbois, mais en plus grand, donc en plus grave. Plus l'instrument est grand, normalement, plus il est grave, plus il est petit, plus il est aigu. J'en ai fait pendant de nombreuses années, de mes 7 ans jusqu'à mes 18 ans environ. J'ai d'ailleurs passé l'option musique lors des épreuves du bac. Ça a été une grande passion, c'est quelque chose qui m'a suivi pendant de nombreuses années, donc j'en ai fait pendant environ 11 ans, avec tous les examens qui vont avec. Donc j'ai petit à petit gravi les échelons au niveau des examens au conservatoire de musique. Et puis j'en suis arrivée à un stade où ça devenait compliqué de gérer plusieurs choses à la fois, c'est-à-dire la musique qui me prenait beaucoup de temps, ma vie perso, parce qu'à 18 ans on a clairement envie de sortir, etc. Moi ça faisait 2 ans à l'époque que j'étais avec Quentin. Les études supérieures, je savais que j'allais peut-être déménager à Lyon, etc. La musique c'est beaucoup d'entraînement, c'est... Alors, pour ces instruments en particulier, donc les instruments qui se jouent en harmonie, etc. Ce sont des instruments qui, je trouve, ont assez peu d'intérêt lorsqu'ils sont joués seuls, donc c'est-à-dire que jouer chez moi me procurait assez peu de plaisir. Donc il aurait fallu de toute façon que je reste soit dans un orchestre de musique de chambre, donc des orchestres un peu plus réduits. Et puis voilà, ça me demandait beaucoup beaucoup de temps et je suis arrivée à un stade où il fallait que je fasse un choix. C'était soit la musique devenait mon métier, donc j'aurais pu décider de devenir peut-être prof, prof de solfège, prof de basson. En tout cas me professionnaliser dans le domaine de la musique, soit partir sur autre chose et du coup la musique resterait une passion. Donc c'est cette voie que j'ai choisie, j'ai pas fait le choix de faire de la musique ma vie professionnelle. Je voulais que ça reste un loisir, je pense d'ailleurs pas que j'avais les capacités, en tout cas j'avais pas assez de motivation pour décider d'en vivre, c'est pas quelque chose que j'ai envisagé, je me souviens même pas l'avoir ne serait-ce qu'envisagé une fois dans ma vie. Donc voilà, mon histoire avec la musique globalement. Donc j'avais, alors toute modestie gardée, j'avais un bon niveau de musique. J'avais ce qu'on appelle l'oreille absolue, donc on pouvait me jouer un air, je pouvais le rejouer avec mon basson. Ça c'est pas un don, c'est pas un talent qui nous tombe dessus, c'est vraiment uniquement la pratique qui vous amène là. Ce don, entre guillemets, je l'ai complètement perdu parce que le fait de ne pas pratiquer m'a fait un peu perdre ces belles notions.
Et j'en suis arrivée à un stade où, à l'approche de la trentaine, la musique me manquait, dans le sens où j'en écoute toujours tous les jours, dans la voiture, dans ma douche, voilà, la musique c'est toute ma vie, mais il me manquait cette pratique. Parce qu'apprendre ça me plaît beaucoup et ça commençait voilà, un petit peu à me manquer. Donc j'ai voulu trouver un instrument que je pouvais apprendre seule. Alors c'est difficile d'apprendre un instrument seule et je suis pas du tout en train de vous dire que je suis devenue experte dans le domaine du ukulélé parce que c'est pas du tout le cas. Mais j'ai voulu trouver un instrument que je puisse apprivoiser un petit peu toute seule. Donc j'avais pensé au piano à un moment, mais le piano m'aurait clairement demandé des facultés que je n'ai pas et il m'aurait demandé quand même, je pense, quelques cours avec un prof. À ce moment-là, j'avais. C'est pas que j'avais pas forcément le temps, mais j'avais pas envie de mettre du temps là-dedans, et donc je me suis penchée sur le ukulélé, donc qui est un instrument qui est aux antipodes de ce que je connais, parce que le basson, donc un instrument à vent dans lequel on souffle, donc moi les instruments à cordes, j'ai jamais fait ça de ma vie, c'est un instrument qui est clairement, qui a des sonorités qui sont aux antipodes aussi du basson, on est sur des sonorités un peu exotiques, un peu festive, c'est très très différent du basson. Question taille aussi, ça n'a aucun rapport, hein. Je passe sur un tout petit instrument à cordes, contrairement donc à ce basson comme je vous ai montré qui était immense, hein, qui m'arrivait presque, d'ailleurs je l'ai toujours, je parle au passé mais je l'ai toujours, qui m'arrive sous le bras, hein, c'est un très grand instrument qui est très lourd, on doit mettre une forme de harnais en fait pour le tenir parce que c'est très très lourd. Donc voilà, je suis partie sur un instrument qui n'a aucun rapport, que j'ai fait le choix d'apprendre seule. Qui est beaucoup plus ludique dans le sens où on peut faire des fautes, on peut s'entraîner pendant des heures, c'est un instrument qui demande moins de rigueur selon moi. Alors comme je vous disais, moi je pars pas de zéro parce que le solfège je le connais, la musique je la connais aussi, mais je pars quand même de très très loin parce que j'ai oublié beaucoup de choses, parce que j'ai plus la même oreille qu'avant, et parce que on n'est déjà même pas sur les mêmes. On n'est pas sur les mêmes tonalités, on est sur voilà, rien de similaire à ce que je connaissais jusqu'à présent. Donc c'est mon chéri qui m'a offert ce ukulélé pour Noël, comme je vous disais, il y a 2 ans. Ça a été un peu le coup de pied aux fesses nécessaire pour que je décide de m'y mettre, parce que je tournais autour du pot depuis pas mal de temps. Moi, clairement, celui qui m'a donné envie de me lancer depuis ses tout débuts, c'est Julien Doré. Vous savez que j'ai une passion pour cet homme. Je le suis depuis La Nouvelle Star, ça va faire bientôt 10 ans. Quand je l'ai vu jouer à la télé avec son ukulélé, ça m'a déjà fait rêver à l'époque, et donc aujourd'hui, n'en parlons pas. J'étais littéralement en transe quand je l'ai vu en concert, je l'ai vu 3 ou 4 fois maintenant. Quand je le vois avec son ukulélé, je suis vraiment je suis hypnotisée, j'adore ça. Et donc voilà comment je me suis lancée. Donc un ukulélé, ça se trouve dans plusieurs magasins, dans des magasins spécialisés dans le domaine de la musique. Mon chéri a acheté celui-ci chez Cultura, parce que je lui avais demandé d'où il l'avait acheté. Et donc chez Cultura, il existe pas mal de modèles. Je crois pas que celui-ci, ça soit le premier prix, mais je crois que c'est le deuxième. Et puis il existe des modèles bien plus performants pour... je pense des gens qui ont un niveau clairement supérieur au mien. En tout cas pour des débutants, je pense pas que ça soit nécessaire d'aller vers beaucoup beaucoup plus cher. Il est vendu avec une housse que je n'ai pas sous la main, et il est vendu avec une méthode. Donc la facile musicale jubilatoire par Cyril Lefebvre, voilà, qui se présente comme ça. Vous avez même un CD à l'intérieur que je n'ai d'ailleurs jamais ouvert, mais faudrait peut-être que j'en regarde. Cette méthode, sur le coup, ça me paraissait bien, et en fait le fait que ça soit sur papier... C'est difficile de s'y mettre, je l'ai lu en entier, enfin j'ai lu en tout cas toutes les premières leçons, après vous avez des airs que vous pouvez jouer, etc. Mais les tablatures, etc. j'ai trouvé assez compliqué. Clairement, si vous avez des bases de guitare, même si les cordes ne correspondent pas aux mêmes notes, même s'il n'y a que 4 cordes sur un ukulélé contre 5 sur une guitare classique, vous aurez de très très bonnes bases pour vous lancer. Si vous n'y connaissez rien, il faudra tout apprendre depuis le début. Ce sont des accords qui sont assez... les accords de base sont assez simples et ils vous permettent de réaliser... des airs qui sont très très connus assez facilement. Avec 4 accords, vous pouvez faire Somewhere Over the Rainbow, ou alors Soul Sister, vous pouvez le faire aussi au ukulélé. Il y a vraiment des airs qui sont faciles à apprendre. Moi, la meilleure méthode que j'ai pu trouver pour apprendre à faire du ukulélé, c'est sur YouTube. Donc vous tapez ukulélé débutant, première leçon ukulélé, vous tombez sur des chaînes entières de gens qui passent leur temps à faire des tutos, c'est top. Mention spéciale pour l'un d'eux, je me souviens absolument pas de son nom, mais quelqu'un qui est hyper charismatique et très sympa, qui fait des vidéos qui sont bien expliquées. Je vous mettrai sous la vidéo celles qui m'ont le plus aidé pour apprendre. Voilà, après j'ai rien acheté de plus, si ce n'est un repose ukulélé. Voilà, je l'ai acheté sur Amazon parce que j'en ai pas trouvé en magasin. Et voilà, ça vous sert tout simplement à poser votre ukulélé debout pour pas qu'il se casse la tronche, parce que ça reste des instruments assez fragiles. Une de mes amies qui joue de la guitare m'a dit que c'était pas l'idéal de poser un instrument sur ce genre de support, parce que c'était pas bon pour le bois, pour la caisse de résonance, je me souviens plus exactement. Elle m'a dit que l'idéal c'était de pouvoir l'accrocher à un mur avec un système de crochet.
Je peux pas l'accrocher à un mur, moi, pour le moment, donc je fais avec, mais voilà, je vous dis ce qu'elle m'a dit, c'est peut-être pas la méthode la plus pratique et la plus raisonnable, en tout cas pour stocker son instrument. Et puis ensuite, un petit peu de bon sens, on le laisse pas en plein soleil, on essaie de le mettre dans une pièce où il n'y a pas trop de variation d'humidité, donc clairement pas dans une salle de bain. On essaye de le mettre dans une pièce où la température reste assez stable. Donc moi c'est dans la chambre et j'ai toujours fait ça, et c'est de cette façon-là qu'il vieillira le mieux et qu'il se désaccordera le moins. Idem pour les cordes, elles sont fournies bien sûr avec le ukulélé, vous pouvez les faire changer ou les changer vous-même. Alors moi je me suis pas aventurée là-dedans parce que j'y connais rien, mais vous pouvez acheter un ukulélé, alors j'espère que je dis pas de bêtises, mais d'après ce que j'ai compris, vous pouvez acheter un instrument assez basique et lui placer des cordes de meilleure qualité et vous allez déjà gagner en qualité de son. Voilà, je vous dis uniquement des choses que j'ai pu entendre, de ce qu'on a pu me dire, je sais pas si c'est vrai parce que je l'ai pas vérifié par moi-même, mais voilà ce que j'en sais. Donc moi je suis très contente de ce modèle. Alors vous avez des modèles un peu plus avec des dessins un peu tropicaux, etc. Ça peut être sympa avec des motifs un peu des îles. Moi je suis sur un modèle classique, ça me convient très très bien. Donc voilà comment j'ai commencé à m'y mettre. Alors ensuite je vous conseille de vous procurer très rapidement une application pour l'accorder. Alors mon chéri se moque beaucoup de moi parce que vu que moi je fais de la musique depuis longtemps, je suis très sensible aux fausses notes, aux irrégularités de son. Quand je vais voir un concert ou quand j'écoute quelqu'un jouer dans la rue, dans une gare ou quoi, si son instrument est mal accordé, moi, pour moi c'est une souffrance. C'est vraiment c'est quelque chose que je supporte pas. J'ai une ouïe qui est très très sensible à la justesse des notes, et pour moi quelqu'un qui joue très bien d'un instrument mais sans savoir l'accorder, bah, pour moi tout est perdu. Donc je vous conseille rapidement de vous procurer une application pour accorder votre ukulélé. Alors moi j'en ai une, je crois qu'elle est gratuite, ça fait très longtemps que je l'ai téléchargée. Ça s'appelle tout simplement Accordeur de ukulélé et c'est vraiment vraiment hyper bien fait. Donc voilà, en fait sur l'écran vous avez les 4 cordes, et en fait quand vous faites sonner votre corde, voilà, celle-ci est un... La corde du sol est un tout petit peu vers le jaune, vers le bas, donc elle est un tout petit peu trop basse. Puis vous faites ça pour chaque corde et donc ça vous aide à l'accorder et c'est extrêmement rapide. Donc je vous conseille de vous procurer soit un accordeur, il en existe aussi format numérique, des petits boîtiers là, comme on dirait des calculettes, mais c'est payant bien sûr, ou sinon une petite appli comme ça sur téléphone, c'est largement suffisant, et sinon accordez-le à l'oreille si vous avez ce talent-là, moi je n'y arrive pas. Alors plusieurs choses à apprendre dans un premier temps, les accords, donc ça c'est le placement des doigts, donc on vous explique en fait au niveau des cordes, la corde du sol, du do, du mi et du la, et on vous apprend ensuite à les placer sur les différentes cases, case numéro 1, case numéro 2, case numéro 3, je suis désolée si j'ai pas du tout le vocabulaire adapté, moi j'ai appris du coup comme je vous disais avec des vidéos, et ce sont vraiment des vidéos de... alors qui sont faites par des professionnels parce que du coup eux ils en jouent extrêmement bien, mais ce sont vraiment des vidéos de vulgarisation, donc... ils disent corde numéro 1, case numéro 1, il y a peut-être des mots beaucoup plus adaptés pour ce jargon musical. Et donc on va vous apprendre à faire des accords très rapidement comme ça. Moi j'ai encore un petit peu de difficulté avec ce qu'on appelle les barrés, donc c'est quand on place plusieurs doigts sur... plusieurs cordes sous le même doigt, pas plusieurs doigts sur la même corde. Donc ça j'ai encore un petit peu de mal, ça demande une certaine gymnastique, et pourtant j'ai des grandes mains, donc je devrais être plutôt aidée dans le domaine, mais ça j'ai encore un tout petit peu de mal. Et ensuite on va progressivement vous apprendre à frotter les cordes, donc la technique sur le ukulélé est beaucoup plus simple que sur une guitare, où vous allez devoir apprendre à pincer des cordes, à en frotter d'autres. Pareil, je suis désolée si j'ai pas les bons termes parce que j'ai vraiment pas appris avec des cours, avec une méthode professionnelle. Sur le ukulélé, c'est assez simple, on vous apprend à gratter les cordes dans un sens, puis remonter votre doigt pour les faire sonner dans l'autre sens. Donc ça c'est assez facile pour peu que vous ayez des ongles et des doigts assez costauds, parce que moi quand je m'entraîne pendant une demi-heure, une heure, à la fin j'ai vraiment les doigts qui chauffent, donc j'ose pas imaginer sur guitare ce que ça peut donner. Donc voilà, on vous apprend à passer dans un sens et passer dans l'autre, et puis ensuite vous apprenez une certaine rythmique, deux fois vers le bas... Et puis voilà, on vous apprend progressivement à faire des airs comme ça. Alors où j'en suis aujourd'hui? Eh ben, comme je vous disais, donc je n'ai appris que par des vidéos YouTube et puis des petites choses comme ça. J'en suis arrivée à un stade où je n'arrive plus à progresser par moi-même et je suis un petit peu bloquée. Donc je pense qu'il faut vraiment que je me décide à trouver quelqu'un pour apprendre le ukulélé au mieux. Maintenant que j'ai déménagé sur Annecy, peut-être que j'aurai plus de chances de trouver quelqu'un qui puisse me faire des petits cours par-ci par-là pour m'aider, donc il faut vraiment que je me renseigne. Donc je me suis même imprimé des petites tablatures comme ça de certains airs que je veux apprendre, donc je les ai créés moi-même.
C'est pas très compliqué, il vous suffit de faire un montage sur Word ou autre pour vous y retrouver. Donc ça c'est Choupi de Cocoon, qui est donc une chanson que j'adore et que je rêve de savoir interpréter au ukulélé, mais comme vous pouvez le voir ici, ce sont les fameux barrés. Donc là vous avez un seul doigt qui traverse toutes les cordes, enfin trois cordes ici et quatre là. Donc voilà, ça c'est encore un peu compliqué pour moi. Et puis vous avez les équivalences avec les accords, donc ça ce sont les nomenclatures anglaises. Je me souviens plus bien des équivalents, je crois que le G c'est le sol en français, mais je suis même plus très sûre. Donc voilà, je me suis imprimé quelques petits airs comme ça pour avoir une trame en fait, pour pouvoir apprendre. Comme je vous disais, je suis un petit peu bloquée dans le sens où maintenant j'arrive plus bien à avancer. Au niveau de la rythmique, c'est-à-dire vraiment les doigts comme ça, je crois que j'ai réussi à l'apprendre et j'ai réussi à m'y faire. Il me manque juste voilà, cette technique sur les barrés et j'ai surtout beaucoup de mal à passer d'un accord à un autre. Donc je suis encore obligée de regarder mes cordes par exemple là. Et après, voilà, c'est pas toujours très très fluide, donc il faut que je me concentre, et du coup pour jouer des airs entiers c'est un peu compliqué. Moi mon rêve ultime c'est d'amener mon ukulélé chez des copains pour qu'on se fasse un barbecue au coin du feu et que tout le monde se mette à chanter avec moi, mais là on n'y est clairement pas, mais j'espère que j'y arriverai un jour. Pour information, lorsque vous achetez un instrument chez Cultura, je peux pas du tout vous dire pour les autres enseignes, mais chez Cultura vous avez une heure de cours qui est offerte. Donc moi je m'étais renseignée, mon chéri l'avait acheté chez Cultura, ça devait être à Annemasse à l'époque, et il donnait des cours de guitare mais pas des cours de ukulélé, donc j'avais pas pu en profiter, mais peut-être que dans d'autres Cultura, dans le reste de la France, il existe des profs qui savent faire également du ukulélé, donc c'est à voir. Donc voilà où j'en suis pour le moment, je vous glisse tout de suite un extrait, alors c'est pas du tout glorieux, mais pour vous montrer ce que je suis capable de faire avec de gros guillemets pour que vous ayez une idée. J'espère que la vidéo a été instructive. Je vous glisse sous cette vidéo en barre d'infos quelques sites qui m'ont aidé, quelques chaînes YouTube qui ont été assez probantes pour ma part. Alors il y a des gens qui accrochent avec une certaine technique et d'autres avec d'autres techniques, donc je vous garantis pas que vous allez tomber amoureux des personnes dont je vais parler en vidéo, mais moi ce sont ceux qui m'ont donné envie de m'y mettre et qui m'ont aidé au maximum pendant mon petit apprentissage. Mais comme je vous disais, si vous tapez ukulélé pour débutants sur Google, sur YouTube, vous allez tomber sur des mines d'or, que ce soit en termes de cours, de tablature pour certaines musiques que vous voulez reproduire chez vous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a été instructive, en tout cas pour ceux qui souhaitent s'y mettre. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous connaissez peut-être quelqu'un qui donne des cours de ukulélé sur Annecy, eh bien je suis tout ouïe, parce que je crois qu'il va vraiment falloir que je m'y mette. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous embrasse et on se dit à très bientôt.